Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous, il est 16h, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Attendez, je sais pas où on va. Je veux aller là, moi, chez Longinus pour ce troisième. Allô, troisième épisode. Voilà, c'est en bas. Troisième épisode de l'aventure sur Far Cry 6. Oh là, il y a une embrouille en bas là. Ah oui, juste en dessous de nous, il y a une embrouille. Je vais aller les aider. C'est moi, il faut que je sauve le monde. Comment je vais faire? Escarmouche, incroyable. N'hésitez pas à écouter le son Escarmouche sur Spotify. Comment je fais? Magnifique. Heureusement j'ai la K47 hein. Allez, je les reprends en revers. Oh merde. Voilà. Heureusement que j'étais là hein. Heureusement que j'étais là. Bon, c'est surtout on va pouvoir récupérer du loot. Non? D'accord. Je peux pas récupérer du loot. Bon, par contre, s'il y a des embuscades partout, je peux rien faire. Jetons de mercenaires. Et pourquoi je peux pas? Faut que je me soigne avant de pouvoir fouiller? Ok. Original. Oui, bon, ça reste un oiseau quand même. Exagère pas. Putain, ils ont des munitions illimitées, le sentier d'or, c'est incroyable. Oh, il a shooté l'oiseau. Il a shooté l'oiseau. Attendez, trop bien, merci mec. Merci mec. Il est où l'oiseau? Il est où l'oiseau? Attention. Bah j'ai vu l'oiseau. Bon, la nuit est en train de tomber, ça c'est très dangereux. Bon, malheureusement on a perdu l'oiseau. Bref les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous kiffez l'aventure. Troisième épisode, on va aller voir donc Longinus. Ils vont pas m'attaquer eux hein. Non, c'est gentil comme animal ça. On va en profiter aussi pour récupérer quelques plantes. Eh frérot. Voilà. On va récupérer quelques plantes sur le chemin puisque du coup bah je voulais y aller avec mon deltaplane, mais enfin on s'est éjecté pour sauver le monde. Donc on y va à pied et puis c'est très bien, ça nous permet d'explorer à pied également. Voilà. Et c'est beau. Bon là il commence à faire nuit donc. Avec la lune qui est en train d'apparaître derrière les montagnes. Ça nous permet également de récupérer du loot par ici et par là. Oh, incroyable. Incroyable. Allez, on avance. Là, on a un petit véhicule. Je sais pas du tout. Il faut que j'apprenne à différencier les véhicules amis et les véhicules ennemis. Ça m'a l'air d'être des alliés. C'est bon, c'est le sentier d'or, ça. Hein. C'est parfait. Ça va, mon ref? Oh, oh. Alors, il fait des choses bizarres, le cochon, quand même, non? Je t'emprunte ta voiture, ça te dérange pas? Ça te dérange pas. Très bien. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors un truc qui est regrettable, c'est qu'on peut pas éteindre la radio dans ce jeu. Ah bah oui, maintenant c'est la radio libre. C'est ça ce qui est stylé, c'est qu'après quand on va retourner sur une zone occupée, donc où on n'a pas encore fait la tour radio, et ben à ce moment là on entendra de nouveau la radio propagande. C'est rigolo quoi. J'arrive les copains, juste hop. Petite fleur rouge, feuille rouge pardon. Et là petite feuille jaune. Oh, un rhinocéros. Excellent ça. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Je vais vous aider les copains. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais c'est un stand de tir. Putain, mes bandes de débiles. Vous êtes en train d'user toutes vos balles. Je voulais t'écrire avant ton départ pour ton premier service à l'avant-poste de Killana Bazaar. Je suis si fier de toi, ta mère aussi, tout au fond de son cœur malgré la peur. Je tiens à ce que tu saches que ton but dans la vie ne devrait jamais être de répondre à nos attentes. Oh, c'est beau ça. Ça c'est un bon daron ça. N'hésitez pas à mettre pause bien sûr si vous voulez tout lire en fonction. Allez, je suis là frérot. Bienvenue, je suis Longinus. Et toi? Tu es Edge. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Qui vend des flingues? Bien sûr! Car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons flingues. Révélation 5-5, c'est une lecture très revigorante. Alors l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses sept sceaux. C'est notre sauveur, notre sauveur! Il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire,
Si le fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il? Quel... Quand le Christ revient pour briser les sept sceaux et amener le ravissement, il est le lion, pas vrai? Et un lion, ça a besoin de crocs. Quelle flingue choisirait Jésus? Deutéronome 32-47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien... Proverbe 19-11. L'homme qui a la sagesse et l'homme à la colère. Je comprends pas ce que vous... Un soldat sait. Les soldats savent toujours. Car nous avons vu le ravissement. Et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, Edgy. Chaque arme est une Bible. Et chaque balle, un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagan, je te ferai un don. Un cadeau. C'est la volonté de Dieu. Tiens, voici déjà le premier. Banapour se fait attaquer! On a besoin d'hommes, et tout Sabal, de suite! Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! Ne t'en fais pas, Arsène! Alors il leur dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création! Ah, c'est incroyable, on a 6 minutes pour se rendre vite là-haut. J'ai pas de véhicule. Ah si, c'est bon. Go, 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 6 minutes pour aller aider notre copain Sabal et sa queue de cheval. C'est parti. Allez, dépêchez-vous vous aussi là. On y va, il faut les aider. Donc vous l'avez compris, à chaque fois qu'on va débloquer une tour radio, bien sûr, on aura une arme gratuite, hein, c'est le classique. Là, il nous a proposé une arme un peu pourrie. Hein. J'aimerais tellement que tu te souviennes de cette époque, AJ. Moi, ta mère et toi dans ses bras. Oh, les beaux jours. Elle n'a jamais été plus heureuse qu'à cette époque, et je dois dire que moi aussi. Nous faisions des projets, pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le Kirat. Ce pays n'a pas toujours été comme ça, et j'aimerais revenir en arrière. Mais il est trop tard, j'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment essayé. Mais cet endroit te démolit. Ne les laisse pas t'enfoncer, AJ. Ishwari ne t'a pas renvoyé ici pour ça, pas vrai? Aïe, 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 aïe. Sacré Pagan. Sacré Pagan, est-ce que je pourrais pas couper? Non, on va éviter de couper. Par contre là ça va être la merde parce que c'est notre village quoi. Salut. Hop là, il sait même pas tirer. Oh merde. Oh merde. Oh quoi, couper. Allez, go. Eh, heureusement que j'ai repris C'est une blague. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, j'ai la pire arme possible. Reste à couvert et sauve tout ce que tu pourras. Je suis pas loin, j'arrive avec des renforts. Allez. Sabal, il veut que notre bien et ça c'est beau. Il veut pas qu'on s'en mêle. Allez, venez, 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 venez. Mettez-vous en sécurité. C'est un ennemi ou un gentil ça? Wesh. Allez-vous-en. Allez, objectif, c'est de voir aucun civil mort devant moi. Mettez-vous à couvert, madame. Oh, magnifique ça. Allez, go, go, go. Non, mettez-vous à couvert. Ok. Ah voilà une vraie arme. Ah non, parce que sans déconner là, ce qu'il m'a donné là, le prêtre je sais pas quoi, nul à chier. Oh mon frérot. Pardon mon frérot. Alors toi. Alors toi. Alors toi. Ah
Ah oui, il y a deux hélicos quoi. Ça, mais c'est pas vrai. Hop, ça dégage. Ça dégage. Eh, les renforts, c'est quand vous voulez, hein. Bon, après. Il y a des soldats qui se dirigent vers la maison communautaire. C'est là que se trouve Badra. Oh non. Et sauve-la. Badra, c'est la fille. La petite fille là de la meuf qui nous kiffe maintenant. Enfin, que je kiffe. Et là, par contre. Il faut que j'entre dans le bâtiment. Et que je ne meure pas. Éventuellement. Là, là. Allez. Putain, mais c'est pas vrai. Attends, excuse-moi Badra, mais il faut pas que je meure non plus quoi. J'arrive Badra. Badra. Badra, Badra, t'es où? Badra. En bas. Badra. Oh non. Oh non. Bien. Les gens ont besoin de la voir, ça les rassure. C'est qu'une gamine, sa balle, et elle est terrifiée. Je vais la ramener, et puis ensuite on s'inquiétera pour les gens, d'accord? Merci. Ça va, toi? Voilà ce qu'on a gagné en sauvant AJ. On attaque Paul, et il massacre tout un village. C'est pas la faute d'AJ, c'est la mienne. Mais on verra ça plus tard. Ils ont pris l'avant-poste, et ils ont des otages. Bon, commence par l'avant-poste. Sans lui, on est coupé des autres. Allez. Et bon, je comprends que tu sois fâché, mais voilà, en sauvant AJ, AJ il a sauvé ta fille en fait. C'est pas vrai ça. Elle me kiffe plus, ça y est. Moi je croyais qu'elle me kiffait, mais elle me kiffe plus. Bon, ça, c'est fait. Regardez ça. Comme si Pagan n'avait pas déjà commis assez d'horreurs. Oui, alors j'ai peut-être fait une bêtise, moi j'ai fait une perte civile, mais bon, après il était trop faiblard aussi, c'est pour ça que je voulais. Voilà, c'était pour abréger ses souffrances. Mon frère, il faut qu'on parle. Ça va, qu'est-ce qui se passe? Je dois aller à Banapur, et Amita se concentre sur l'avant-poste. Toi, il faut que tu nous aides avec les otages. Je sais que je t'en demande beaucoup, mon frère, mais il faut les sauver avant qu'on reprenne l'avant-poste. Mais Amita a dit. L'avant-poste est important, mais notre priorité doit être la vie de ces otages. Le peuple du Kirat dépend du Sentier d'Or pour sa protection. On ne peut pas les abandonner. Libère les otages, mon frère. C'est un désastre. Tout ce que j'avais a disparu. Oh, c'est tellement... Allez, on va se barrer vite. Parce que là, il n'y a pas de blague à faire. Et on va se rendre au hameau dans la montagne. On va y aller en deltaplane. Il faut que j'apprenne à utiliser le deltaplane. Je comprends pas comment atterrir en fait. Déjà qu'on n'a pas de parachute. Allez, on y va sur cette magnifique musique qui est évidemment de tristesse. Parce que là, si je m'éjecte, je meurs. C'est un petit peu crétin quoi. Allez, on avance les amis. Je kiffe, ce jeu est une belle petite claque. Tiens, on a un village là-haut aussi. Ça a l'air d'être un village, en fait c'est juste deux baraques. C'est très reposant. J'adore. Allez, voilà. Oui, je suis un touriste, hein. Je sors mon appareil photo dès que je peux. Évidemment. Allô. Allez, un petit effort. Alors ça, c'est le petit problème, hein. Voilà, c'est que... bonsoir. Est-ce que je peux rentrer dans la maison? Bien sûr que non, peut-être. Bien sûr que non. Bien sûr que non. On peut cueillir, bien sûr. Que oui. Et puis là, on a un petit trésor également. Il doit être en haut. Non? Je sais pas, il me proposait de grimper. Ah oui, il est là-haut. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'un trésor fait sur le toit? Je ne sais pas. Eh ben, il n'est pas sur le toit. Il est... Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, il y a un trésor là. Je suis complètement débile. Oh,
Je dois être complètement con. Mais s'il me propose de grimper, c'est qu'il y a une raison. Attendez, là, là il y a un truc qui m'échappe. Là, il y a un truc qui m'échappe. Ah, pas du tout. Bon, ben bonsoir. Ah, je peux rentrer là. Non. Je crois qu'il y a un bug. Allez, bon, on n'est pas là pour ça. Anyway, comme disent les anglophones. Bien sûr. On continue notre ascension. Ah, putain, mais ça va pas la tête. Ah bon, ils ont peur de moi, ça va. C'est quoi comme animaux, ça hein? C'est pas joli, hein. C'est pas joli, mais c'est mignon quand même, hein. Alors, à savoir que je... Selon, alors, c'est pour moi, mon avis, quand j'étais petit, donc on va voir si c'est vrai ou pas, mais pour moi, c'est le Far Cry qui comporte le plus de drogue. Je veux dire, il y a beaucoup de... Vous allez voir, hein, beaucoup d'histoires d'hallucinogènes, et ci et ça, ça va être excellent. J'ai des petits bouts de souvenirs qui me reviennent. Au fur et à mesure, on va rencontrer des sacrés personnages. C'est vrai que quand j'y pense, là, vu comment l'aventure commence, on s'en douterait pas. Mais c'est vrai que par la suite, on va rencontrer des sacrés personnages. Et aussi décalé que dans Far Cry 6, quoi. Et c'est ça ce qui est rigolo. Hop là. J'adore faire des glissades. Feuilles vertes. Bonjour à vous. Besoin d'aide, très bien. Un petit trésor ici, bien sûr. On prend notre temps, évidemment, c'est le but du jeu. Ah, on peut enlever les propagandes. Eh oui. Pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt, les gens? Je ne sais pas. Et là aussi, il y a un bug, regardez. Dit qu'il y a un trésor. Ah mais là, putain. Quel débile. Allez. L'arme spéciale Stormer est maintenant disponible dans les comptoirs. Très bien. Nous verrons ça. Voilà, on va éviter de se faire cramer parce qu'il se passe des choses ici là. Oh, j'aurais dû reprendre l'arc. Bon, on va prendre le couteau. Regardez bien. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Allez, on va libérer les otages. Hop, ça dégage. Connard. Allez, je te libère. Tuez tous les gardes avant de les... Ah, ok, d'accord. Ok. Faut tuer tous les otages. Tuer tous les gardes avant de les sauver. Oui, je vais te sauver, madame. Magnifique. J'adore le couteau de lancer, voilà. Oh là là. Ok, je me suis fait cramer. Il sait pas où je suis, mais je me suis fait cramer. C'est le dernier. On va essayer de le faire propre. Je pense que c'est le dernier. Yalla! Voilà. Bon bah ça c'est fait. Allez! Les otages sont sauvés, Sabal. Tu honores le nom de ton père, Edge. Bien sûr. C'est ce qu'il cherchait à accomplir en fondant le Sentier d'Or. Aider son peuple. Écoute, moi je suis pas venu là pour mon père, ni pour tout ça. Tu peux vraiment être utile, mon frère. Regarde tout ce que t'as fait. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais on est dans le Sentier d'Or. Tu arriveras à Lakshmana. Je te le promets. On trouvera ensemble. Merci, Sabal. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc en fait, notre père, c'est le fondateur du Sentier d'Or. Ça, je savais pas. D'accord. Ceci explique cela. Tenez, prenez ça. Je sais que Sabal t'a envoyé libérer les otages au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. Je comprends. T'es nouveau ici et Sabal peut être très persuasif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant, je dois briefer mes soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi? Veillez sur moi. Ils n'aiment pas perdre ces joujoux. Tu comprends pas, AJ? Ah, il y a un bug de son. On avait un plan. Et maintenant, il est foutu. Il faudra un bout de temps avant de pouvoir réattaquer Paul. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. Pas si je peux empêcher ça. AJ, attaquer l'avant-poste tout seul, c'est du suicide. Attends qu'on puisse envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. AJ, non, ne... Je vais impressionner Anita, moi. Allez, on va libérer du coup l'avant-poste. C'est excellent quand même parce que... Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Oh...
Oh putain, je suis trop fort. Oh, je suis un boss. Allez, ça dégage. Incroyable. Je croyais que j'étais foutu. Non, non, t'inquiète. J'ai une dette envers vous. Bien sûr. Tu suces. Allez, ça c'est fait. Putain, c'est bon ça. Eh, je suis excellent. AJ, AJ, AJ. Oui. Oh, super. C'était seulement pour vérifier que t'étais bien là. Donc ouais, l'idée c'est de... Du coup j'ai oublié le nom de là où on devait déposer les cendres. Mais l'idée c'est ça, notre objectif ultime bien sûr. Mais du coup on en profite pour aider le peuple qui a été fondé par notre père. Oh magnifique ça. Ah, ils cherchent même pas à l'attaquer. Attends, ils ont peut-être besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide les copains? Moi je peux vous aider hein. Non, moi je viens pour vous aider. Oh non. C'est pas ça que je voulais faire. Besoin d'un coup de main peut-être. Incroyable. Bon bref, j'adore ce jeu. Et on va débloquer au fur et à mesure pas mal de choses. Non par contre je peux vraiment réparer le truc je crois hein. Ouais. Bon en fait non, parce que du coup ça ne m'appartient pas. C'est un véhicule ennemi. Donc à partir de cet instant, si c'est un véhicule ennemi, voilà ce qu'il mérite. Voilà. Ce sera bien plus simple comme ça. Allez, du coup, direction 300 mètres, puisqu'on va aller faire l'avant-poste, bah, le premier avant-poste du jeu, du coup, tout simplement, l'avant-poste Bazar de Killana. Ce serait de la folie de faire ça tout seul, bien sûr, mais je suis le fils de Mohan, donc attention tout de même. Bon, ça, c'est pas cool. C'est marrant quand j'y pense, j'étais pas choqué quand j'étais petit, alors qu'en fait, c'est aussi choquant, entre guillemets, que Far Cry 6, tu sais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'en ai parlé, mais dans Far Cry 6, il y a un truc qui... Voilà, tu sais que la réalité n'est jamais très loin. Mais en fait, c'est vrai que dans Far Cry 4, c'est pareil, hein, si je puis me permettre. Malheureusement. Et en fait c'est assez fou parce que ça me choquait pas. Parce que ça se voit que je comprenais pas grand-chose hein, quand j'étais jeune. Mais là, le fait de... Moi, je trouve ça choquant, là, du coup. Enfin, ça me choque pas, ça choque pas mon petit cœur en mode voilà, mais je veux dire, ça me choque dans le sens... ça fait réfléchir. Allez! Ouais, bah c'est pas le. Eh hey, frérot! Alors, les avant-postes, bon, on connaît hein! Si vous avez su mes autres let's play. Aïe! Là, le problème c'est que j'ai pas la meilleure arme. Oh purée, y'a un éléphant! Un éléphant, roi, on se trompe pas parfois! Ok, l'alarme est là, y'en a qu'une seule pour le premier avant-poste normalement. Ils ont massacré des éléphants quoi. Et on peut monter sur les éléphants, voilà, hein, je spoil, mais c'est incroyable. Taré lui. Allez, fais le malin toi. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais lancer un appât. Je vais lancer un appât, vous allez rien comprendre. Parce que l'alarme, malheureusement, j'ai pas de sniper. Hop. On peut même détruire les cages pour libérer les animaux, bien sûr. Voilà. Diversion. Parfait. L'alarme. J'ai perdu l'alarme. Ok, elle est pile en face. Si je tire dessus, ça marche ou pas? C'est ça la vraie question. Oh putain. Ok, super, ça marche pas. Ok, je vais monter. Ok, super. Allez, on est parti pour massacrer tout le monde. Vas-y, l'éléphant. Ah si, c'est bon, j'ai pété l'alarme. Vas-y, l'éléphant, c'est bien. Défonce tout. Trop bien. J'ai rien à faire, trop bien. Let's go, merci l'éléphant. J'ai rien fait. Bon bah ça va, j'ai bien fait. En fait j'ai cru que j'arrivais pas à casser l'alarme, mais du coup c'était bon quoi. C'est moins évident quoi, mais bon là évidemment c'est le premier avant-poste, donc facile hein, très clairement on connaît quoi. Pourtant sur Far Cry 6 le premier avant-poste il était pas si facile que ça. D'abord en plus les otages, hein. Maintenant l'avant-poste. Tu n'écoutes vraiment rien AJ, mais je dois admettre que tu as fait du bon travail. Merci.
Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Ta mère serait fière. Tu veux aller où déjà? À Lakshmana? Le voyage ne sera pas simple. Le Nord est aux mains de Pagan Mine depuis des années, et ici on se bat comme on peut. J'ai promis à ma mère de rapporter ses cendres. C'est sa dernière volonté. Réfléchis bien, AJ. Ta mère savait exactement ce qui se passerait à ton arrivée au Kirat. Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Ta présence ici et l'aide que tu apportes ne sont pas un hasard. Bats-toi avec nous, AJ. Rejoins le Sentier d'Or et je te le promets, tu exauceras le dernier vœu de ta mère. Que ce soit en dispersant ses cendres à Lakshmana, ou en réalisant quelque chose de plus grand. Ou les deux. Moi, je pense qu'on va faire les deux, ma sœur. Incroyable. Est-ce que mes parents ont vraiment fondé le Sentier d'Or? Oui, c'est vrai. Ils voulaient libérer le Kirat du régime de Mine. Tu as l'occasion de nous aider à finir ce qu'ils ont commencé. Alors, réfléchis bien, AJ. Bah, en soi, j'ai déjà rejoint le Sentier d'Or. Je crois que je vais rester. Bien sûr. Acte 1 terminé. Bah, avec tout ce qu'on a fait, on a un peu rejoint le Sentier d'Or quand même, hein, madame. Hein. C'est cool que tu m'acceptes enfin, quoi. Eh bien, une bonne chose de faite, l'aventure commence, réellement. Et ça, c'est beau. Et on a débloqué le jeu en coop. C'est superbe, j'ai pas d'amis. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Bienvenue au Kirat, incroyable. On a bah, donc l'avant-poste qu'on vient de libérer, bien sûr, juste en bas. Magnifique. Magnifico. Eh bien, les amis, allez parler à Sharma Salsa pour débloquer les activités de course. On pourra faire ça éventuellement, c'est juste ici. Nous, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, on va aller juste à côté chez Urk pour une nouvelle mission, bien sûr. Et puis par la suite, on va pouvoir débloquer les prochains clochers, les prochains avant-postes. Et bref, vous avez compris, la sauce Far Cry, tout simplement. Et c'est un vrai bonheur. N'oubliez pas le pouce bleu, en espérant que cet épisode vous a plu. Le like ou le dislike, bien sûr. L'abonnement, très important. Et le commentaire qui me fait extrêmement plaisir. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.